Salut tout le monde, c'est Piotta pour Planchroam Gaming. J'espère que tout le monde va bien. Aujourd'hui, on est de nouveau sur Dead Island, en cette superbe matinée. Et on va continuer la quête. Je sais pas encore ce qu'on va continuer, mais on va s'éclater un peu sur Dead Island. Alors, la dernière fois, on a... La dernière fois, on est allé... finir la quête. On a déjà fait pas mal de quêtes, regardez tout ça. Pas mal. On est allé faire le rituel, je crois. Non, ça me rappelle pas ce qu'il faut. Bon, la dernière fois on a tué le missionnaire, le moine bouddhiste trucmuche Marcus Villa, qui nous avait en fait planté un couteau dans le dos en essayant de nous tuer. On avait aussi fait une quête secondaire rapide qui s'appelait genre horreur, qui était dont le but était de récupérer la caméra d'un cinématographe, d'un scénariste, et une batterie pour sa caméra au même endroit. Et d'ailleurs on avait trouvé une arme assez assez sympa, puisque il s'agit bah non, je l'ai pas sur moi. Il s'agit de la tronçonneuse énorme. Ok, alors avant de commencer, on va réparer et améliorer. Je voulais réparer ma tronçonneuse. Oh, on a pas beaucoup de fric. J'ai rien à améliorer de toute façon. Clé fiable. Ok, on n'a pas de mode à mettre. D'accord, le maillet à viande. La faucille, j'ai toujours pas le niveau. Ok, la hache non plus. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va regarder les compétences, c'est bon. Dans l'équipe, je peux regarder, il y a plein de petites quêtes qu'on n'a pas faites. Voyons voir ce que c'est. Apporter 3 lames à Xian pour qu'elle puisse apporter son aide à notre équipe plus efficacement. 3 lames. C'est quoi, je vais toutes les prendre. On va voir si on a ce qu'il faut. Celle-là. Là, faut apporter 3 ceintures. Celle-là, faut apporter 3 bonbonnes de gaz. Qu'est-ce qu'elle me veut, elle? 3 bouts de métal. Pour le mode impact. Ouh, ça a l'air sympa, ça. Lui, il me veut 3 disques d'alter pour 5 grenades. Elle veut 3 bric-à-brac électroniques. Ok, en fait, c'est que des fourbes qui veulent... tout ce que j'ai trouvé. 3 montres. 3 détergents. Et 3 échantillons. Oula, échantillons d'algues. Ok, je crois que ça nous fait pas mal de quêtes. Où est-ce qu'ils sont? Les voilà. Je vais lui donner les 3 fils. Donc j'ai déjà fait une des quêtes secondaires. Et j'ai passé mon niveau d'ailleurs en même temps. Niveau 32. Je vais continuer avec le chaos instantané. Qu'est-ce qu'il me vend lui? Oh, un pied de biche de dévastation. Oh, j'ai bien envie de ça. J'aime bien le pied de biche. C'est l'arbre qu'on avait au tout début du jeu. Et que j'avais aussi un peu... que j'avais eu il y a pas très longtemps, si je crois que j'en avais un. Je sais pas, je trouvais ça assez sympa. Munition de clouteuse. Non merci. Munition de harpon, on n'a pas encore d'harpon. Pas d'argent. If I can electrify the fences, those damn things will fry when they run into them. But I need a power source. Cables and batteries should do it. Will you bring me some? Apportez votre aide pour créer des meilleures défenses pour le lieu sûr. I'm gonna try.
The cables are in a shack not far from here, and the batteries are at a camping site. Ok, pourquoi pas. Ça lui fera plaisir. Mais je crois qu'en même temps, j'ai rendu une quête. C'est bizarre. Elle, elle me vend des armes plutôt de tranche, des armes à lame, donc ça m'intéresse pas. Des armes tranchantes. Ok. Pourquoi pas. En plus, ça fera plaisir à ceux qui me demandent, de protéger mieux mes les lieux et d'acheter des améliorations. Nourrier rose, tiens, ça m'intéresse. Ok, lui il me veut quoi? Faut que je lui rapporte les 3 ceintures. 9000 XP et bombe électrique. Oh, première fois qu'on a la bombe électrique. Elle, elle me donnait un gourdin, je l'ai pas ramassé. Eh, pourquoi tu me mets par terre? J'ai plus de place. J'ai plus de place, je vais vendre des trucs. Je sais pas quoi vendre, j'ai que des trucs bien. Ah mais attendez. On se calme. Je vais utiliser Henry pour laisser mes deux armes, la faucille et non, le maillage je garde. La faucille et la hache de pompier que je peux pas avant, prendre avant le niveau 35. Tiens, j'ai fini aussi la réparation de fortune d'Henry. Et je viens de récupérer le mode torche. Mode torche. Vous savez comment fonctionne une torche. Vous saurez très vite en fabriquer une. Si vous touchez un de ces tarés à ce fait de sang, il prendra feu comme un fétu de paille. En plus, cela permet d'éclairer pour voir ce qui se cache dans le noir. Moi, c'est un peu proche du feu liquide, je trouve, mais... pourquoi pas? Qu'est-ce qu'il me faut pour faire le mode torche? Mode torche. Coup 400. Je pourrais le mettre sur la clé fiable, ça c'est cool. Écoutez, je vais mettre le mode torche sur la clé fiable. J'ai envie de voir à quoi ça ressemble. Waouh. Pas mal. Pas mal du tout même. Par contre, je commence vraiment à être à court de fric. Je vais ramasser le gourdin et je vais le vendre. Vendre. Bon, c'est que 163$, mais bon, c'est toujours ça de gagner. Maybe there's something in here. Ok. Y a pas d'autre quête que je pourrais rendre si lui il veut que je lui donne des antalgiques. Getting good at this. Ça m'a fait passer niveau 35 et ça m'a donné du fric. Niveau 33, pardon. 33. Dégâts causés pour les armes à feu. Non, ça m'intéresse vraiment pas. Quel rapport ? Attends. Augmente les chances de coup critique lors de l'utilisation d'armes contondantes modifiées. Augmente vos chances de coup critique avec les armes contondantes tout court. J'ai pas beaucoup d'armes contondantes modifiées, donc je vais prendre ça. On s'approche du dernier, toute dernière compétence pour le combat qui sera la force titanesque. Ok, est-ce que lui je peux lui rendre aussi des trucs? Gaz à briquet. Qu'est-ce qu'il me donne à la place? 10 000 XP et des grenades à pulsion sonique. That crazy fucker wanted to eat us. Jesus Christ! And he thought that was gonna cure all of this? Donc là, elle parle de Marcus Villa, pour ceux qui ne se rappellent pas. Donc je vais lui donner les 3 pièces de moteur. Oh, thanks, doll. Et elle me rend des bombes au poison. Quelqu'un d'autre veut que je lui donne des trucs? Non? Bah, je vais fouiller ici. Ok. Je vais aller à Paradise rapidement pour voir si... y a pas d'autres trucs que je peux rendre à Paradise. D'autres quêtes. Please go look for my friends. Aussi, je vais. J'améliorerai pas mon avis de camp de survie de Paradise pour la simple et bonne raison que j'y vais presque jamais, donc
Je vois pas vraiment l'utilité de gâcher de l'argent pour un protéger un endroit où je vais presque jamais. Ok. Tac. Quoi d'autre? Un atelier, un établi. Y'a personne ici? Y'a plus personne? Ah, pas mal. Y'a des petits effets de calciné qui rappellent le moment où ce fou allié est venu nous brûler. A essayé de nous cramer. Je pensais qu'il y avait des gens qui étaient restés ici, mais je crois que tout le monde maintenant est. Potion énergisante. Tout le monde est revenu à Alai. Pour la simple et bonne raison que ici c'est plus safe. Plus safe du tout. Ok, bon bah on va faire une quête maintenant. On va faire... On va faire cette quête rapidement, électrisant. Je crois qu'elle m'a dit qu'elle me donnerait des améliorations assez sympas. Ou des améliorations pour la défense de camp. Voyons voir où on doit aller pour cette quête. On doit aller au camping Kiwi. C'est parti. On peut pas se porter au camping Kiwi. Où est-ce qu'on peut se téléporter? On va prendre la voiture alors. Tac tac tac. Par là. Ça va me permettre d'avoir le temps de parler de quelques trucs. Même si j'essaye de me concentrer sur le jeu. Pourquoi je peux pas sauter là? C'est quoi ces sauts? Pas trop compris. Qu'est-ce que je voulais parler? Déjà faut que je me baisse. Je peux passer ou pas? Je peux passer. Je voulais parler que si vous voulez me joindre, la plus simple façon de me joindre c'est ou de m'envoyer un message sur mon compte YouTube. Pas un commentaire, un message direct. Oh merde. Ou sinon, vous pouvez facilement me contacter en me rajoutant sur Steam. Mon nom de compte étant Piotr. Et vous avez généralement un raccourci sur la chaîne. Oh, 5000. Défi actualisé, ça sent l'apocalypse. C'est quand même assez drôle de mettre feu aux contaminés quand il pleut. Ah, maintenant je les mets chaque fois par terre. Ça c'est cool. Oh mon dieu, le nombre de dommages que je prends juste à cause de ça. Le feu c'est aussi mon pire ennemi, je trouve. Je vais ramasser le guide. Tiens, le numéro 1. J'ai jamais trouvé. Je l'avais pas encore trouvé, je veux dire. Tiens d'ailleurs, ils m'offrent de nouvelles quêtes. 8 briquets maintenant. Ah, c'est des quêtes genre à répétition. Soit. Qu'est-ce que je voulais faire? Je vais vous montrer le guide. Voilà. Pause si vous voulez lire. J'ai envie de me battre là. Ok, c'est parti, on prend la voiture et on y va. Donc Steam ou message pour me contacter, vous pouvez me laisser un commentaire, je réponds généralement aux commentaires. Pas tous les commentaires parce que sinon ça spamme les gens, mais à certains commentaires je réponds. Surtout s'il y a des questions qui sont récurrentes. Sinon c'est à peu près tout. Aussi pour ceux qui me proposent de jouer avec eux et etc. Oula, casse la vitre. C'est pas que je veux pas jouer avec vous, hein. J'aimerais bien jouer avec mes abonnés, c'est vraiment sympa d'y jouer avec ses abonnés. Mais déjà j'accepte pas de jouer avec Chagar pour la simple et bonne raison que j'ai commencé en solo. J'aime pas commencer une série que j'ai commencé en solo puis la passer en coop. Parce que je préfère commencer direct la partie en coop. Comme ça ceux qui sont intéressés par coop viennent. Mais je veux pas gâcher l'expérience à ceux qui sont venus pour voir du solo et pas de la coop. Ok, l'infecté. Donc pour tous ceux qui me demandent si je veux jouer avec eux, si je peux jouer avec eux, la réponse
est négative, malheureusement. Mais c'est pas parce que je veux pas. Quand j'aurai fini le jeu, oui, pourquoi pas. Mais pour jouer, même je peux jouer avec vous maintenant. C'est juste que je peux pas prendre des vidéos avec vous. C'est ça que je veux. Et la plus simple façon de me contacter, donc c'est Steam. Ok, donc là je dois trouver. Faut que je fouille la zone. Ouais, je le sentais un peu trop endormi celui-là. Ok, j'ai trouvé la batterie de voiture. Je me rappelle de ce camping. J'étais passé au tout début et j'avais dit j'ai pas envie de m'arrêter ici. Et je crois que j'avais raison, il y a quand même pas mal de monde. Ok, il y a un truc à trouver ici. Des journaux. Ok, lui il a même pas eu le temps de se réveiller. Ok, on en a 2 sur 5 je crois. J'ai full vie en plus, pas de problème. Quoi d'autre? Lui il est mort. Ils sont tous en train de dormir. Il y en a un qui est en dessous du camping. Du camping car. Oh yeah. Encore une batterie de voiture, de l'argent. Et le dernier devrait être là. Tiens, je trouvais une clé lourde. Coup de pied mortel. Batterie. Détergent. Toujours utile. La batterie devrait pas être loin. Antalgique, ça c'est pour une quête, les antalgiques. Ok. Je crois que j'ai récupéré toutes les batteries de voiture. Maintenant, je vais essayer de rentrer dans cette dead zone. Parce que j'entends depuis tout à l'heure un assassin. J'ai envie de le défoncer. Un aimant. Ok, vous êtes prêts? Ok, je peux pas rentrer par là en fait. Par où est-ce que je peux rentrer? Je suis censé rentrer par où? Ils sont juste là. Peut-être par l'entrée principale en fait, ce serait intelligent. Ah non, il n'y a pas d'entrée principale ici? Attendez, il y a un truc que j'ai raté, c'est pas possible. Je vais peut-être rentrer direct comme ça. Ah ouais. Oula, oula, oula. J'ai raté tous mes coups. Venez voir papa. Je suis à l'abri là. Oh tiens, un kamikaze. Oh la merde. Je me gourde de boutons. Un disque d'alter, ça j'en ai besoin. Oh, ça me donne une idée ça. Eh hey, cadeau. Merde, faut que je lui tire dessus, je suis bête. J'ai pas de quoi tirer. Un marteau précaire. Je veux pas lui mettre le feu, genre... Pas lancer très fort et... Non. Vous savez quoi? Non. Ça marche pas comme ça? Ça me paraît très... Dommage qu'il y ait pas une fonction genre pour ouvrir le gaz. Ouh là là, je sens très mal ce que je vais faire. Je sens très très mal. Ah, il veut pas le toucher. Nice. Ok, en fait, non. Je peux pas l'exploser comme ça. Pas de chose avec du feu. Si j'ai ça. Bon, je veux pas exploser tout seul, là. Ah, je vais lui ouvrir la porte, alors.
Oh. C'est ça que tu veux? Oh le con. J'ai pas cru qu'il allait exploser. Oh le... Oh ce fail. Il ne s'est rien passé. Ce fail. Ah mon dieu. J'aurais dû m'en douter qu'elle allait exploser. J'espère qu'il y a des trucs utiles au moins ici. Marteau sauvage, est-ce que c'est mieux que le marteau que j'ai récupéré? Yep. Ouais, ça valait pas trop le coup de mourir pour ça, mais bon. J'étais pas censé mourir en fait. Ok. On va récupérer le dernier objet qu'on a besoin pour notre quête. Et on aura fini. Ouais, il reste bien une batterie de voiture à récupérer en fait. Où est-ce qu'elle est? Ah voilà. Okay, got everything I need. Trouver deux câbles électriques. Ok, let's go. On prend la voiture et on y va. Oh, cette conduite à gauche. À droite, pardon. Okay, on va y arriver. C'est parti. Regardons la map d'ailleurs. Où est-ce que c'est? Ouais, c'est pas très loin. Faut que je tourne la prochaine à gauche. Pas une façon d'y aller en voiture. Écoutez, je vais aller ici. Je finirai en bateau ou à pied. J'entends un infecté pas loin. Excusez-moi, je ne fais que passer. Oh. Oh putain. Ça change de Far Cry. Ça change de Far Cry 3. Voilà. Ça ne veut pas tourner. Voilà, c'est bon. On y est. Est-ce que je peux genre monter? Ouais, voilà, comme ça. Non. Je crois que je vais faire surtout glitcher ma voiture, je sens. Attention, réessaye. Voilà. Ça me paraît normal, non, une voiture dans l'eau. On va sortir ici quand même. Guide de l'île. Le guide de l'île. C'est celui-là. Toujours la même chose, mettez pause si vous voulez lire. Il y a un noyer ici, je vais prendre ça. Est-ce que je peux l'exploser comme ça, voilà. Il est mort ou pas? J'ai bien envie de le finir. Oh putain, il a demandé. Ouais, il est mort, je crois. C'est pas tout ce monde. Non, reprend-on. Oh mon dieu, cette endurance. Oh, c'est tout ce qu'il donne. J'espérais qu'il allait donner pas mal de fric. Demi-tour et c'est parti. On est juste à côté. C'est là. Mataka. Il est déjà venu pas mal de fois ici. Un infecté. Oula. Je sais pas pourquoi j'ai pas fait beaucoup de dégâts là. Ah, j'ai pas envie de me battre contre lui. Si, en fait, j'ai envie de me battre contre lui. Ta gueule. Je vais me battre contre lui, mais je vais prendre une autre arme. Prendre celle-là, voilà. Alors, je vais lui mettre feu. Il y a un autre qui m'arrive dessus.
forcément envie de vraiment mourir avec le feu. Oh merde, il m'a touché. C'est bon, il est enflammé. Oh mon dieu, j'ai plus d'endurance. Il est pas mort lui. Maintenant il est mort. Il est mort lui? Ah lui il est mort, c'est cool. Argent. Ok, je vais rentrer ici. Je suis déjà venu beaucoup de fois dans cette maison. Il y a un kamikaze que je vais faire exploser. Cette fois je vais essayer de pas mourir. Et en plus en fait c'est dans cette maison que je dois venir puisqu'il y a le câble. Oh yeah. Le câble que je cherche. He was out of his head. It's like he didn't even know who it was. He attacked me and tried to bite me. I ran for help, but oh, it was insane. People were screaming and fighting and crying, and this little boy, he couldn't have been more than 10, leaped on me and tried to bite me. I pushed him away, and a grown man Found chopped it. Off his head with the machete. What is happening here? Some said that the people who had lost their minds were dead. Dead! Like the zombies! What? I went back and tried to find Paul, but he was gone. And I have no idea what happened to him. Okay. On en apprend un peu sur... On en apprend sur rien, en fait. Elle nous a rien appris du tout. Que de Ray. Elle nous apprend juste qu'elle était complètement terrifiée. À part ça, on a compris qu'on était face à des zombies. Donc je suis venu ici pour me téléporter avec le voyage rapide. Et aller à Alaï. Voilà, je vais rendre ma quête. We should talk. C'est qui? Ouais, c'est Zoé. Give me a moment, and I'll electrify those fences. This is for you. 21 000. I think I know a way to improve our defenses. Mode éclair. We need to talk about Dr. Kessler. I don't. Okay. On va voir le mode éclair. Et on va finir la partie ici. Pour une clé lourde. Il manque un bout de métal. Non, pour l'instant, je vais vendre le marteau. Je peux pas le vendre ici, on fera ça après, alors. Je vais réparer ça. Et ça. Ok, bah sur ce, on va se quitter et on se retrouve la prochaine fois. Et la prochaine fois, on continuera cette fois la quête principale. Ciao. Hey, we should talk.